À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Explorait une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le capitaine Caverne. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Et aujourd'hui, il les accompagne dans les missions les plus périlleuses. Capitaine
XIIIe siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Voici la turbo terrifique pilotée par Pierre de Beaufix, Rufus la rondelle et saucisson dans leur taco tout terrain, le sergent grosse pomme et le soldat petit pois dans leur tocard tank, l'inquiétant Al Carbone et sa bande dans leur cavaillac blindé, le célèbre inventeur le professeur Maboulette au volant de son auto aéro-fusoplaneur, oh la ravissante Pénélope Jolicoeur qui illumine ce tournoi de sa radieuse beauté, puis les frères tête dure Rock et Gravillon, la dingo limousine avec Piqué Collégramme. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me bats. J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses ? Petits attrape-moi. Ah, nous voilà, bonjour Eric. Oui, les mini-pousses. Vivant chez vous, ça va. Ah, non. Dans les murs de votre maison. Bonjour Eric le Grand. Bonjour Lucie Mini. Veux-tu venir ici, Charlie Mini ? Non, pas tant, grand pas mini. Nous, les mini-pousses, nous sommes là. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. On pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as. Dragon Ball Z, le gentil
Son être dans Isidore frappe à la vie dans son fort. Où qu'il soit, ils font la loi. Chassons roi, les chassons là. Chat de bonne manière et des chats de gouttière. Quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tous ceux qui l'habitaient. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon ami. Au but, demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a